Ma fille, d'abord, je trouve que vous êtes trop habillée. Vous êtes un peu trop vêtue là. Comment ça, ta soeur? Ce n'est pas à vous de me poser la question. Vous savez très bien. Est-ce que le souhait de Dieu, c'est de nous voir habillés? À la base, non. Il le dit lui-même, je crée l'homme et la femme à mon image. Comment étaient Adam et Ève à la création? Ils étaient nus. Ils étaient comment? J'ai pas entendu. Ils étaient nus. Voilà. Donc, Dieu n'aime pas qu'on encombre son temple. Et le corps, c'est le temple de Dieu. Il faut le laisser respirer. Il faut le montrer parce qu'il est beau. Alors, je vous prie d'aller vous changer maintenant. Ok, homme de Dieu. Comme ça, c'est bon, pasteur. Voilà. Le corps de Dieu, faut le laisser respirer. Faut pas l'encombrer comme ça n'importe comment. Ce n'est pas bon. Vous remplissez d'habits comme ça. Comment voulez-vous que le démon sorte si vous mettez trop d'habits? Le démon ne sortira pas, il va rester dedans. C'est quoi ça? Vous mettez trop d'habits comme si vous chantez dans Viva la musique. Vous vous êtes pris pour Norba de Paris. Mais non, même le foulard là, il est de trop. Le foulard, il faut l'enlever. Voilà. Que Dieu soit loué. Mais excusez-moi, dans ma Bible, dans le verset Isaïe 47, verset 3, la Bible déclare, quand ta nudité sera découverte et ta honte sera vue, j'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Que dites-vous de ça, pasteur? Mais ça, ce sont les récits qui ont été repris par les apôtres. Ok? Les apôtres ont repris un peu les récits à leur manière, c'est n'importe quoi. Parce que la même Bible déclare ici. Écoutez-moi très bien. Tu ne te couvriras point le corps devant un homme de Dieu. Voilà. Parce qu'il est mon représentant ici sur terre. Voilà. Alléluia. Pasteur, excusez-moi, c'est dans quelle Bible ça? Dieu soit loué. Rabarondo baba. Le verset, pasteur, s'il vous plaît. Ma fille, vous êtes venue ici pour me parler d'un problème. Voilà. Parlez-moi de votre problème directement. Pasteur, ce sont les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Pasteur, vous voyez, quand un homme rentre dans ma vie, il ne dure pas plus de 3 mois et il part. Je suis arrivée à un stade où je prends de l'âge. J'ai besoin de me stabiliser. C'est pour ça que je vous ai appelé pour que vous voyez ma situation. Je suis même passée la dernière fois à votre église. Ma fille, vous savez, Dieu me montre toutes les situations dans mon sommeil. J'ai vu ça, je vous ai vu dans mon sommeil, ma fille. Je vous ai vu. Dieu m'a dit, laissez venir à moi les brebis égarées. Vous êtes éloigné de Dieu. Et Dieu veut vous voir à ses côtés. Et pour vous rapprocher de Dieu, vous devez vous rapprocher de l'homme de Dieu. Ici en personne, au Dambukasa Jefferson, moi-même. Voilà. Donc, nous allons commencer à partir de demain des séances d'intercession, de fortes prières. Mais vous devez venir habillé tel que vous êtes là. D'accord? Parce que Dieu n'aime pas qu'on encombre son temple. Voilà. Dieu veut vous voir tel que vous êtes là. Et vous et moi, nous devons nous rapprocher, renforcer la symbiose ensemble. Plus on est proche, vous et moi, plus vous vous rapprochez de Dieu. C'est compris? J'ai compris, pasteur. Écoutez-moi, donc demain venez dans mon bureau, on va commencer les séances de fortes prières. Voilà.
D'accord, ok, pasteur. Donc, par contre, vous venez seul, hein. Ne dites à personne. Vous venez seul, ne dites à personne, parce que je n'ai pas envie d'être perturbé par des individus ou quoi que ce soit. Ok? Et D'accord. puis, le salut de Dieu, pardon, est individuel. Voilà. C'est pour ça que j'insiste de ne pas en parler. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se transmet, les gens peuvent raconter n'importe quoi. Donc, si vous aimez votre Dieu, ces séances de prière resteront entre vous et moi. Vous avez compris? Ok, j'ai compris, pasteur. Voilà. Maintenant, je vous laisse aller dormir parce qu'il se fait très tard. Merci, pasteur. Voilà.